Fawzi Ben Saïdi, réalisateur de Désert, qui passe aujourd'hui à la quinzaine. Le film a été tourné dans plusieurs régions du sud, et ce grand sud marocain. Donc on était du côté d'Erfoud, on était du côté de Ouarzazate, on était aussi du côté de Beni Mellal, on était aussi aux alentours de Marrakech. Et pour moi, tout cet espace-là, de ce sud-là, très berbère d'ailleurs, m'a toujours interpellé. C'est-à-dire que je me suis souvent dit, les grands cinéastes du monde sont venus poser leur regard sur cet espace. Ils ont raconté des choses avec cet espace. Et je me suis toujours dit, il va falloir un jour qu'il y ait un regard de l'intérieur. Que quelqu'un de là raconte aussi, s'approprie aussi cette histoire et raconte. Je viens d'un pays que les peintres et les cinéastes adorent. Matisse, Delacroix, et les cinéastes, Wells, Hitchcock, Scorsese. Il y a quelque chose dans ce pays, entre les espaces et la lumière. J'avais un homme de théâtre qui disait « La lumière au Maroc, c'est l'ombre de Dieu sur terre. » Et il y a quelque chose, c'est pas par chauvinisme, mais il y a quelque chose. Donc j'avais envie de cet endroit, de cet espace, de ce sud, et est arrivée comme ça, assez vite, l'idée du western. Parce que je me disais, c'est une espèce de Monument Valley qu'il va falloir investir. Et je suis allé plusieurs fois pour trouver le moment où la lumière est la plus juste. Pas seulement la plus belle, elle est belle d'évidence, mais juste par rapport à ce que je raconte. Parce que j'ai toujours ce sentiment et ce rapport particulier avec les lieux, avec les espaces. Ils ont une âme, et cette âme peut se révéler si on sait les regarder à un moment précis, à quelque chose. J'ai un rapport avec les espaces qui est pareil avec les acteurs presque. Au point de dire des fois, je ne fais pas des repérages pour trouver des lieux, je fais du casting. Ce qui s'est passé, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est j'ai mes acteurs autour de moi qui ont les rôles importants. Et quand je vais sur un lieu, j'ai aussi un très bon directeur de casting, comme ça, où il arrive à mettre, on arrive dans un lieu, il arrive à mettre les gens à l'aise, je les rencontre, etc. Et je trouve cette rencontre entre les acteurs professionnels et les acteurs non professionnels, elle provoque quelque chose de toujours intéressant. Parce que les professionnels sont obligés de lâcher les repères et les techniques, parce qu'on n'est pas face à un partenaire qui a les mêmes repères. Et les non-comédiens face aux comédiens ont aussi cette espèce de concentration qu'on peut se dire qu'ils n'ont pas s'ils sont, je dirais, voilà, ils sont pas mis dans cette... Quand ils sont mis dans ce cadre-là avec des acteurs, etc., eux aussi accèdent à quelque chose. De ce que je peux appeler comme ça, de la concentration du moment, du moment où ça tourne, où on doit être totalement dedans, à 1000%, etc. Et puis, je cherche l'accident aussi, parce que je fais un cinéma très, très stylisé, très préparé, très pensé, très architecturé, mais je fais comme ça, d'une manière pensée quand même, que le hasard puisse rentrer. En fait, en tout cas, de provoquer l'accident. Parce que je viens du théâtre, et dans le théâtre, ce qui est génial, c'est l'accident, en fait. C'est parce que c'est l'art de l'accident, le théâtre. Et le cinéma peut ne pas l'être, parce que tout peut être extrêmement préparé, cadenassé, et donc la vie reste en dehors. Et je sais que dans un cinéma qui fonctionne avec la mécanique du burlesque, etc., etc., on doit être extrêmement précis sur le geste, et sur le rythme, la musicalité, c'est extrêmement important, ça fonctionne avec ça. S'il n'y a pas ça, ça ne marche pas. Mais à l'intérieur de ça, moi je me dis, je ne peux pas, s'il n'y a pas l'humain, si ça ne me touche pas. Si les gens qui regardent le film, qui ne connaissent rien du burlesque, ne disent pas qu'il y a du burlesque.
ça je ne le cherche pas, qu'ils disent « ah oui, regarde la référence », non, 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 j'ai envie que les gens regardent ça et que ça arrive, voilà, naturellement et que ce n'est pas imposé, ce n'est pas des figures de style imposées, même s'il y a des figures de style dedans. Mes films m'ont libéré même sur un plan personnel, si je peux dire. Y a un film particulier, c'est-à-dire j'ai fait un premier long métrage qui s'appelle « Mille mois ». Je ne vais pas revenir dessus, mais j'ai fait un film après qui s'appelle « What a Wonderful World », qui était le premier, mon deuxième film. Mais c'est là où j'ai commencé comme ça à aller vers un cinéma dont j'ai envie de faire et de faire que y a quelque chose où c'est un film à la fois de policier, un film d'espionnage et un film... chorégraphique. En fait, je retrouve les origines de mon désir du cinéma, si je peux dire. C'est-à-dire, et de ce que je faisais aussi au théâtre, parce que j'ai fait 10 ans de théâtre avant, où j'aime bien ce côté-là où aussi les films sont réalistes parce qu'ils sont engagés, parce que c'est des films qui parlent de situations sociales et politiques précises et parce que je suis touché par ça. Mais le cinéma que je fais, il n'est pas réaliste. Lui se permet, et dans ce film-là, plus que dans tous les autres, c'est vraiment une espèce de, je dirais, c'est mon 5,5 à moi, un peu. Il y a un film et demi dans ce film, où il y a quelque chose comme ça, où il y a un film qui ne se termine pas et un autre qui démarre. Mais c'est deux parties, c'est un film en deux parties comme ça, mais c'est pas arbitraire non plus, c'est pas une partie qui n'a rien à voir avec l'autre. Mais je n'ai pas voulu non plus faire que ce soit très évident le lien entre les deux. Ça aurait été trop facile aussi. Donc le film travaille comme ça sur une partie qui est en écho de la première partie, qui renvoie à des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on a une première partie qui démarre et on croirait qu'on est avec des méchants qui arrivent, etc., qui sont contre toute cette population pauvre, surendettée. Et petit à petit, on découvre aussi que finalement, c'est les pauvres contre les pauvres. C'est un système qui pousse les gens les uns contre les autres. Et la deuxième partie qui, elle, bascule dans quelque chose de plus mythologique, de plus westernesque, de plus conte. Elle aussi, malgré tout, parle aussi de ça et reprend comme une histoire qui se re-raconte. D'ailleurs, le film démarre par des gens dans un autre contexte qui soutirent aussi, peut-être pas de l'argent, mais parce que la famille ne donne pas de l'argent, mais donne un tapis. Et le début du film, c'était aussi un tapis qui est donné à la place de l'argent. Donc, c'est des signaux pour dire aux spectateurs que voilà, il y a aussi cette piste possible. Et la deuxième partie propose plusieurs pistes et laisse beaucoup de liberté. Et j'espère que les gens brodent eux-mêmes des relations entre ce que je propose, comme ça, dans cette deuxième partie. Je l'avais très vite comme envie. Ça, c'est une envie qui a existé très, 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 très vite. De faire un film qui prend un virage, un film qui chavire au milieu, comme ça. Et à l'écriture, il y avait une rupture très nette, qui était celle de l'arrivée de l'évadé, voilà. Et après, j'ai eu cette idée de cette voiture qui disparaît comme ça, dans cette espèce de fumée, etc. Qui, pour moi, est aussi une deuxième rupture, quelque part. C'est comme si la rupture du récit se passe avec l'arrivée de l'évadé, et la rupture stylistique, elle, arrive avec la disparition de cette voiture dans ce brouillard. Et donc du coup, c'est les deux choses. C'est inviter le spectateur à aller dans un monde un peu... J'ai filmé ça aussi avec beaucoup de ralenti. Un monde qui ralentit aussi, parce que le traitement du temps dans les plans après est extrêmement différent de la première partie. La première partie est très efficace, même au montage. Et la deuxième partie, elle, fait entrer les gens dans le cadre, les font sortir. Le traitement du temps est totalement différent. Et c'est cette rupture stylistique avec cette séquence longue, comme ça, avec de la voix off, où je me permets la voix off.
au milieu, par exemple. Mais je trouve qu'elle a sa place. Pour moi, elle fonctionne, même s'il n'y avait rien qui préparait, même si je l'utilise une fois dans le film et pas deux. Oui, c'est vrai que c'est un film aussi travaillé par le plaisir de la cinéphilie. Par exemple, le film revisite un peu le western, donc on prête quelques scènes emblématiques, la scène autour du feu, par exemple, où les cow-boys se mettent autour du feu. Et souvent, c'était dans les westerns, c'est des scènes où les hommes se révèlent un peu, disent des choses, etc. Je l'utilise aussi. Je dirais que j'ai le sentiment que ça m'appartient, parce que quand je vais sur le western, je me dis, moi aussi, je viens d'une culture de cavalier aussi. Donc c'est quelque chose qui n'est pas étrangère à moi. En tous les cas, ça aussi, c'est autre chose. C'est-à-dire, moi, tout m'appartient aussi. Je suis d'une génération où tout nous appartient. Nous, on n'est plus dans cette histoire de dire, il faudrait absolument que le film soit total marocain, ou il faudrait que le film soit africain. Le film, il est marocain par la force des choses. Il l'est par bonheur, il l'est par souffrance, mais il l'est. Mon identité, je ne l'impose pas. Il l'est. C'est comment je marche, comment je respire, comment je filme. Il l'est, je ne le cherche pas. Mais par contre, tout m'appartient. Melville m'appartient, comme il a appartenu aux Hongkongais, mais moi, les Hongkongais m'appartiennent aussi. Et le film noir américain m'appartient, et le western, et tout. Et du coup, j'ai pas de complexe par rapport à ça, et je dialogue avec tout le monde. Chose qui ne nous a pas été toujours autorisée, si je peux dire. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose comme ça, où venant du Sud, on doit d'abord faire des films à sujet, d'abord être dans quelque chose comme ça, où le cinéma dit des messages et des choses comme ça. Évidemment que le film est engagé, etc. Mais nous sommes aussi capables d'architecturer, d'avoir une mise en scène plus complexe et plus pensée, etc. Même sur les acteurs, par exemple. Je me dis, oui, ben, on a aussi des acteurs qui peuvent jouer aussi du répertoire mondial, qui construisent aussi leur rôle, etc. Et vraiment, j'ai fait un film comme ça, fait très vite et donc beaucoup de plaisir avec cette troupe de théâtre qui m'entoure, où j'ai adapté La Cerisée de Tchekhov. Mais c'est vraiment pour aussi le plaisir de leur donner des rôles que les comédiens du monde ont joué et que ces comédiens qui sont avec moi depuis 15 ans méritent que je leur fasse le cadeau de La Cerisée pour que aussi eux jouent aussi des rôles voilà, de répertoire qu'ils ont joué au théâtre, etc. etc. Donc voilà, il y a ce côté-là aussi, et qui fait que du coup, le film accueille ce qui est marocain, ce qui est arabe, ce qui vient de partout, quoi, sans problème. Alors, il s'est passé quelque chose. En 1979, c'était l'année de l'enfance, et il y a eu un programme comme ça de l'ONU, des films burlesques en noir et blanc. Il y avait un programme sur toute une année et je me souviens que mon père m'emmenait des tickets pour aller au cinéma. Et j'avais découvert les Chaplin, les Buster Keaton, mais j'avais découvert Laurel et Hardy aussi, par exemple. Ça m'avait frappé beaucoup, et les Marx Brothers aussi. Donc il y avait comme ça un programme excellent. Je crois que cette année-là a imprimé Maritine, et je crois que cette envie du burlesque, parce que j'ai quand même des grands souvenirs d'être plié de rire et de tomber par terre, dont les gens tombaient par terre. Ça, c'est un grand souvenir comme ça d'enfance, et je crois que c'est resté avec moi, c'est quelque chose que j'ai toujours envie de faire. Ça m'énerve, cette histoire de... c'est intéressant à partir du moment où quelqu'un fait un film aujourd'hui où il y a l'islam quelque part. Alors si c'est le terrorisme, etc., alors là, bienvenue, quoi. Donc cette espèce de commerce entre, je dirais, le Sud et le Nord m'énerve un peu, au point que je n'ai plus envie. Et puis, il y a aussi des beautés dans l'islam, je veux dire. Il n'y a pas que des choses comme ça, il y a aussi des choses... Je veux dire, les gens ne sont pas
je veux dire, habité par cette idée tout le temps. Et sur l'alcool, ça, alors ça c'est vraiment, je veux dire, nous, tous les poèmes arabes sur l'ivresse, alors là, tout ce qui a été écrit, le rapport au vin était déjà très 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 fort. Après, l'islam ne l'a pas totalement interdit. Si on revient au texte, le texte dit évitez-le. Alors sur d'autres choses, il dit c'est interdit. Sur l'alcool précisément, il dit évitez-le. Il dit donc c'est éviter peut-être vous réussirez. C'est ça ce que c'est. Donc ça reste pas très ouvert. Et cette interdiction lui a donné encore, je crois qu'il a multiplié le plaisir. Parce que c'est le plaisir du vin et le plaisir de casser l'interdit. Et moi, j'ai toujours vu des gens boire autour de moi. Et même dans les mariages. Alors, c'est vrai que des fois, c'est dans un cadre un peu d'hypocrisie sociale, etc. Mais j'ai vu, moi, les bouteilles de coca dans les mariages où il y avait du vin. Mais tout le monde le savait, je veux dire. Et ça circulait des fois comme ça, etc. Donc, je crois qu'on avait trouvé une espèce d'arrangement, je ne sais pas comment dire, mais qui faisait que chacun fait ce qu'il veut. C'est ça le plus important. Chacun est libre de sa vie et fait ce qu'il veut. Et cette manière, c'est vrai que j'aime beaucoup filmer les gens qui boivent, etc. Au point que mon premier court-métrage, La Falaise, déjà, la télévision l'avait beaucoup aimé à l'époque. Maintenant, ils ne coupent plus, mais à l'époque, ils coupaient ces passages-là. Et ils m'ont dit, si on coupe toutes les séquences du vin, il n'y a plus de court-métrage. Donc il y a de la poésie chez les gens aussi qui boivent, je dirais. Je ne sais pas comment dire. Il y a de la poésie, parce que l'ivresse, on mène à la poésie. Moi, j'étais venu en France et je brûlais d'envie de venir à Cannes. Et je me suis dit, je n'irai comme ça. On construit aussi sa vie avec des espèces de légendes comme ça. Je me suis dit, je n'irai à Cannes que si j'ai un film. Donc j'étais là à brûler d'envie d'y aller, mais pas. Et quand j'ai fait un court-métrage qui a été sélectionné à la Quinzaine, qui était Le Mur, c'était ma première fois à Cannes, et ma première fois à Cannes était à la Quinzaine. Donc je garde des souvenirs évidemment immenses. C'est comme si mon enfance cannoise est allée à la Quinzaine. Et je me souviens que cette année-là, j'avais découvert le travail de Bellatar, les harmonies. Et ça m'a marqué, ouais. Magnifique. Magnifique.